Bonsoir, je suis Relus et bienvenue dans Neverwinter Nights, le retour, enfin. Je vais passer juste vite fait quelques minutes pour vous expliquer ce qui s'est passé pour les quelques personnes qui n'auraient pas suivi. Il y a un mois, j'avais fait la dernière session, donc ça remonte quand même au 17 ou 18 mars, et lorsque j'ai voulu me remettre la semaine d'après, mon jeu a décidé de ramer du cul sur le Windows 10 que je possède et sur lequel je fais à peu près 90% de mes vidéos. Et donc du coup, j'ai cherché un petit peu sur internet, sur les forums, en disant qu'il fallait baisser la qualité, télécharger les drivers, désinstaller des trucs, remettre des trucs, rien n'y fait. Je me suis donc dit, autant mettre ça sur une virtuelle machine. J'ai pris donc une ISO Windows 10, d'ailleurs j'en remercie Spark pour l'ISO qui sera sans doute très utile pour le futur. Ça a légèrement mieux marché, mais c'était pas encore ça. Aidé Jenny, je me suis dit, et si j'en prenais le vieux PC, enfin l'ancien PC sur lequel je faisais mes vidéos. Et bah j'ai essayé, j'ai installé, et ça marche. Et donc du coup, j'ai passé à peu près une dizaine de minutes pour régler les paramètres au mieux pour éviter que quand j'enregistre ça rame du cul. Mais je suis content. Le seul problème c'est que j'aurai pas les cinématiques lorsque les chapitres seront terminés. Mais je les rajouterai au montage pour que vous les ayez et que je les vois moi aussi. Quand même, j'ai donné un coup au micro, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est la petite épopée nulle de Neverwinter Night. Le PC, si vous entendez du bruit ou si vous voyez des éclaircissements des fois, c'est normal, c'est un vieux PC. D'ailleurs là il est en train de surchauffer comme pas possible. C'est pour ça que j'utilise une plaque qui est sans doute inutile, je vérifie. Je pense que la plaque est inutile, donc du coup je vais juste bouger un peu le PC, voilà. Et sinon, tout va bien. Donc du coup, je ne sais plus ce qu'on a fait la dernière fois, on va charger la partie et on va se remettre dans le bain. Comme d'habitude, prenez une petite boisson, un thé, un café, même un gâteau. Prenez un gâteau parce que c'est exceptionnel ce qui se passe. Ah oui, vous avez rien raté, calmez-vous, je suis un test dehors, j'étais sorti parce que la dernière fois j'avais des quêtes, alors... La dernière fois j'avais deux quêtes où il me disait d'aller voir Captain Kirk. Parce que oui, ça j'ai envie de l'appeler Captain Kirk. Hein, et un autre Baram. Donc j'avais ces endroits-là et ces endroits-là à découvrir. On a fait un petit tour de la ville, on a rendu des quêtes. Et puis j'avais envie de me taper des agents, effectivement. Comment as-tu deviné, jeu, que je voulais me faire un petit combat dès le début? Oh, ça, alors ça rame un peu du cul. Ah, ça rame du cul, c'est un peu horrible. Je pense que je ferai une petite pause après ce... Oh, bonjour les filles. Ouais, il faudra juste que je baisse un tout petit peu la qualité. Alors, ça rame légèrement de mon côté, c'est juste... Alors, c'est juste quand je me... C'est juste quand je combat, ça rame du cul. Il faudra juste que je fasse encore quelques petits... que je bouge quelques paramètres. Alors, j'ai pas mis la qualité à excellent. Je vous montrerai la qualité que j'ai mise tout à l'heure. Dès que ce combat nul sera fini. Tiens, je t'aide le rat. Voilà. Alors pour mon grand plaisir, le jeu tourne lorsqu'il est en ultra capacité, tout ce que vous voulez, anti-aliasing x4, V-synchronisation et plein de choses. Sans le record, ça tourne, mais comme si c'était du 60 FPS. Et là, non mais oui. Oh mon dieu, il est mort. Oh, oh mais... Ah, il y a un temple de tir. C'est pas mal. Donc du coup, moi je voulais voir les maisons, donc on va partir de là-bas. Oui, tout ça. Je n'ai pas mis l'eau brillante, enfin si, j'ai laissé l'eau brillante parce que quand j'enlève... Ah, c'est moche. Ah, qu'est-ce que c'est moche. Je vous épargne le fait de vous montrer ce que ça fait sans, mais c'est moche. Complètement. Ah, ça me fait plaisir de retourner dessus. Ça me fait... Mais tellement du bien de continuer ce jeu. Ah, mais... Tellement. Non mais... Et... Ou la caisse?
Ah, d'accord. Ohé. Oui, alors. Le personnage, s'il te plaît, la caisse. Nique ta mère, voilà. Mais cordialement. Mais non, je veux me reposer. On va se reposer 2 secondes. Tranquille, au calme. Et aussi sur ce PC, je pense que je le réutiliserai pour faire marcher pas mal de jeux assez vieux que je possède. Ça me sera sans doute bien utile. Parce que sur Windows 10, Ah lol, MDR. Alors. Bonjour. Oh, qu'est-ce que. Salutations. Oh. Salut Billy. Un Salutations. golem. Oui, pourquoi pas. Alors, je veux voir vos marchandises, hein. Montre-moi un petit peu ce que tu vends. Je suis tout ouvert à aller vers ces propositions. Waouh, vas-y, c'est quoi ça? T'as plus un lacet A. Enfin, plus un d'armure. J'ai universel plus deux camps et cela pète. Examiner moins 80. Ah, c'est tentant, c'est tentant. Est-ce que t'aurais plus un sac sans fond? Moi, moi c'est un peu de la merde. Moi, il faudrait que je bourre les sacs sans fond. Ah bah tiens, je vais juste vendre ça. Et puis. Ah j'ai une boîte. Alors, j'ai une boîte, hein, moins 60%, mais c'est inutile. De ouf. On va pas se le cacher. Ah d'ailleurs, ça, je peux les mettre dedans. Ah bah cool. Bah tiens, j'en profite vite fait. Hein. Voilà, laissez-moi, ça fait une semaine que j'ai pas touché, je fais ce que je veux. Voilà. Cordialement. Paf. Et paf. Bon, toi, tu vois rien d'intéressant. Ah oh, putain, je sens le PC qui chauffe. Alors, c'est horrible, j'avais oublié cette sensation. Alors, je suis Arlon, mais c'est un rouge de tête, j'ai de nombreux objets magiques, épreuve faite que je serais ravi de voir à un prix presque raisonnable. Soit le magicien rouge. Nana, c'est votre enclave, oula. Ça sent un poil. Mais non. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as des tenues tellement viriles. C'est le mot viril d'ailleurs. Alors, de la magie et de les trousses de premiers soins. Ah bah écoute, c'est très gentil de ta part. Des bisous. Des bisous à tous, surtout au golem qui est tellement beau. Alors j'explore tout, je le rappelle. Donc cette petite zone là a été faite, ensuite il y a une, ouh, une forge. Ah ça c'est intéressant par contre. Si je peux me craft quelques menus objets avec la quantité de merde que j'ai. Forgeron. Salut! Salut! Mon stockage, j'ai une guerre de métal à battre. Qu'est-ce que vous avez? T'as de la merde. Très bien. Salut! Qu'est-ce que vendez-vous? Je possède l'un des plus bêtes armuriers de l'Oscan, mais j'ai dû établir mon atelier ici. Je ne dispose que d'un stock rudimentaire. Vous pouvez me poser quelques questions? Non, je suis pas d'humeur. Eh, tu te calmes. Je peux pas utiliser les forges. Putain, ils auraient dû mettre l'utilisation de forges avec des recettes de forges, de métallurgie. Voilà. Je ne trouvais plus de mots. On va aller par là-bas. Là, il y a quoi? Il y a un temple de tir. Alors, les temples, je dis oui. En plus, il est encore debout. Ce qui est pas mal. Messieurs, bonjour. Prêtre. Bonjour. Bonjour. J'ai besoin de soins, s'il te plaît. Ah, merci beaucoup, mon père. Qui es-tu? D'ailleurs, tu es qui? Oui. Ah, c'est C'est bon toi. de vous revoir, mon ami. Mais je crains d'avoir une bien mauvaise nouvelle à vous apprendre. Apparemment, Dame Aribès a disparu. Nous ne la trouvons nulle part. Comment? Mais que s'est-il passé?
La dame Paladine était bien silencieuse depuis votre départ de Port-Last. Je pensais qu'elle était satisfaite que la secte ait été repérée. Mais quelle conne ! Je ne l'ai pas surveillée d'aussi près que d'habitude. Quoi qu'il en soit, elle a fait preuve d'un grand talent pour disparaître sans laisser de traces après notre arrivée en ville. Vous êtes nul ! Tu ressembles à étrangement à Ouamu, toi. Elle est partie avec armure et équipement. Elle s'est bien préparée, puis elle est partie de son propre chef, bien que j'ai du mal à le croire. Mais où est-elle allée ? Elle n'est pas revenue à pas d'hiver. Je ne puis m'empêcher de me demander si... si elle n'a pas l'intention de se venger personnellement de la secte. Mais quelle grosse... pas douée. Je ne puis en être sûr. Avant sa disparition, Aribès agissait de façon étrange. Elle était d'un calme glacial, comme si la dame Paladine s'était résolue à accepter un sort déplaisant. La dame Paladine a envie de se suicider ? Je m'inquiète pour elle. Je crains qu'elle ne soit très perturbée. Je vais la retrouver. Votre tâche principale consiste à vous introduire dans la tour des arcanes, mon ami. Il faut absolument éliminer la secte. Et si vous y retrouvez dame Aribès, tant mieux. Mais le scénario veut que je la retrouve là-bas ! Si elle n'est pas dans la tour des arcanes, il faudra attendre que votre propre mission soit finie pour lancer les recherches, même si nous sommes très inquiets. D'ailleurs, parlons de votre mission. Tu fais une super transition. Alors, la tour. La tour se dresse sur une île que l'on atteint par un pont situé sur la rive nord-ouest. Certaines rumeurs font état d'autres entrées, mais je ne connais que celle-ci. D'accord. Mais le pont est bien gardé, à la fois par des soldats et de la magie. Les magiciens de la confrérie des arcanes tiennent à être tranquilles. Je vois. Bien peu de choses en vérité. Les mages qui la constituent voient des espions partout, à tel point qu'il est bien difficile d'obtenir des renseignements fiables à leur sujet. On sait toutefois que c'est la confrérie des arcanes qui détient véritablement le pouvoir à Luskan. Les hauts capitaines ne dirigent la ville qu'avec l'aval des magiciens. Je vois. Nul ne sait comment cette secte a acquis sa puissance. Les magiciens sont peut-être ses alliés, ou même des membres, qui sait. Tu peux ranger ton couteau, par contre, s'il te plaît. Si vous réussissez à entrer, soyez prudent et essayez d'en apprendre le plus possible sur leur plan. Il ne sera sans doute pas possible de les attaquer directement. Je te crois. Je crois connaître un moyen, même s'il est très risqué. Le pont menant à l'île sur laquelle la tour se dresse est défendu par des sortilèges extrêmement difficiles à contourner. Je vois. Ceux qui souhaitent entrer dans la tour doivent avoir un laissez-passer des magiciens. Un papier sur lequel est apposé un sceau magique qui permet aux détenteurs de passer sans encombre. Je crois que c'est le principe d'un laissez-passer. Malheureusement, les seules personnes qui, à ma connaissance, en possèdent un sont les hauts capitaines eux-mêmes. Ça alors ! Mais je vais aller leur dire bonjour, leur casser la gueule ! Si vous parveniez à m'en procurer un exemplaire avec son sceau, je pourrais facilement vous en faire un faux. Partez maintenant et faites votre devoir. Je vous souhaite de réussir. Merci à... Alors, comment t'appelles ? Aringand. Aringand, je ne sais. Jovungang. Tu es qui, toi ? Quel bonheur ! Nya ! J'ai cru aborder des positions sur la cellule de Port-Liest et je suis en phase avec la pierre de la pelle que vous avez sur vous ! J'ai besoin de soins ! Ah oui, ah oui. Mais qui êtes-vous ? Oui, d'accord. Ok, donc si je me fous là... Portail de rappel, attention ! D'accord, c'était... intéressant. Bien, alors la quête a avancé. Ah putain, faut descendre loin dans mon journal. Un important contingent de gardes et de protection magique empêche les Saint-Désert de franchir le pont qui mène à la tour des arcanes. Mais Aringon pense pouvoir réaliser une copie des documents nécessaires pour faire rentrer un petit groupe d'aventuriers, en les faisant passer par des dignitaires étrangers. Pour cela, il a besoin du laissez-passer officiel de l'un des hauts capitaines de Luskan, les rois pirates proclamés de la ville qui se chamaillent constamment pour des richesses et des terres à l'intérieur de la ville. Ce laissez-passer porte le sceau magique de la confrérie des arcanes, qu'Almgen espère pouvoir utiliser pour son faux. Oh, c'est tellement un gueudin. C'est tellement un ouf gueudin, ce mec. Mais cœur sur lui.
Et là, il y a quoi? Au truc super chouette et autre errata magique. Au bordel de coltard, ouais, ça marche aussi. Hein. Mec, tu. T'étais pas obligé de faire un nom à rallonge et utiliser des mots comme salut. À mort! Pour les Outgards! Ouais, enfin, de ma mort, Tu parles de toi. Voilà! Oh là là, qu'est-ce? Je suis hébété. Vas-y, Dalin, je suis hébété. Allez là. Oui, Dalin, on sait que tu parles très très fort et que tu cries. Mais calme-toi, on est censé être en mission. Nom de Dieu, bonjour, messieurs. Quel spectacle. Là, il y a un méchant. Surtout, fais bien le tour. Tourneur, soleil, c'est ça. Ah mon dieu, il y a des méchants. Mais pourquoi je dois les contourner? Quelle est cette magie inconnue? Quelle est cette magie inconnue qui consiste à contourner les ennemis? Ouh, de la thune. Ouh, rien du tout. C'est quoi ça? Ah oui, c'est Dalin. Donc il y a quelque chose par... Dalin. Et au pied! Mercenaire de la main écarlate. Je sais pas quelle main écarlate. Avant que tu parles de ton sang, lol MDR, et ça c'est quoi? Le QG de Kurt. Oh mon dieu, c'est le QG de Kurt. C'est le QG du Capitaine Kurt. Ah, donc en fait la tour des arcanes c'est par là-bas. D'accord. Et le Capitaine Kurt c'est en bas. J'avais dit que je l'appelais le Capitaine Kurt. Vous pouvez vous moquer si vous voulez. Alors qui verrouille des caisses? Je demande hein, parce que. Prenez garde à ma colère! Ah mais non, mais arrêtez de me. Oh, mais tu utilises la magie de transformation de mes couilles de bite. Voilà, c'était très le danger. Allez, cassos. Là, une porte! Ouvrons-la! Là, une fosse. Oh non, une canalisation. C'est très bien imité. Waouh, monsieur. Voilà là. Là, un truc. Vite, ouvrons. Afin de pénétrer. Allô? Allô, excuse-moi. Oui? Oui. Non, pas toi. Puis-je quoi que ce soit? Non, allô? Attendez, allô? Ah! Ah, oui. Alors, go, hein, on y va. Allez, on dit qu'on y va. Bon, déjà, il y a un piège. On sent qu'on est bien accueilli. Qu'est-ce que... Munzai! Oh, petite attaque furtive! Salut les mecs! Vous êtes nuls! Utakmak Nectin, toi aussi! Go! Space Marines! Oh, bonjour messieurs! Vas-y, je t'en prends un autre! Vas-y, on est go! Allez, vas-y, on est bien! Putain, mais regarde-moi ces gobelours! Ouais, c'est des orques, quoi. C'est pas des gobelins qui ont copulé avec des ours. Ou l'inverse. Pour les Outgards. Oh, petit coup d'épée. Petit coup d'épée, allez. Allez, autre petit coup d'épée, parfait. Petit drop. Petite caisse. Ah bah, on va tout piller, là. On est parti pour tout piller. J'irai piller chez vous. Voilà. D'ailleurs, faut que je fasse attention à mon poids. Qui a bizarrement tout redescendu à 90. Ce qui est pas mal. Mais c'est en fait, c'est ça vos égouts. C'est étonnamment bien foutu. Je suis admiratif et en même temps un petit peu.
comment dire, dubitatif quant à cette fuite. Alors, bah, je ne vais pas vous le cacher, il y a encore des réparations à faire. Ouais, mais ça mène loin. Ça mène loin. Non, Dalin, il y a une porte. Dalin, tu ne sais pas ouvrir les portes. Vous n'allez pas vous battre, messieurs. Ah, putain, Dalin, tu me désespères. Dalin, écoute, il va falloir penser à calmer ses pulsions. Je pense que tu as des pulsions un petit peu trop impulsives, voilà. J'ai envie de te dire, est-ce que tu as pensé à consulter? Ça doit sans doute venir du père, hein. Je tiens à te le dire. Parle-moi de ton enfance, Dalin. Comment ça se passait avec tes parents et surtout ton père, hein. Hein, le père, Phallus, le caca. Non mais ne change pas de sujet, Dalin. Bien sûr que tu comprends très bien. Mais c'est quoi? Alors ça, j'avoue, c'est design. Hein, je suis admiratif, c'est totalement New Age, voyez-vous. Ah, j'adore. Ah, dans le design, c'est quelque chose de parfaitement in. C'est totalement in avec l'époque. Ah, regardez-moi ce trou, c'est vraiment magnifique. Un anneau de cuivre, je suis tellement famous avec. Je suis ultra famous. C'est tellement beau. Je suis tout admiratif. Est-ce que je... Non mais les mecs, cachez-les mieux vos pièges, s'il vous plaît. Je suis à combien d'XP pour voir? Il me manque au moins de 3000. C'est pas mal. Ah là là. Bon, Dalin, on y va en sneak, hein. Je passe devant, tu me suis, on fait comme d'hab. Dalin. Où sommes-nous, Dalin? On y va pas en sneak, Dalin, parce que fake it. Je sais pas où on est. Sur ce bouclier, t'écris attention et Dieu sont témoins de ce genre d'entrée villageuse qui sera scellée sous cette maison. Trois protections, regarde à jamais les portes, retourne à la femme, voleront les dames et les textes anciens parlent d'un héros venu du sud qui besoin, les sauts et libérera à jamais le monde de cette horreur. Prions pour que les portes résistent jusqu'au jour de. Et c'est une quête? Nouveau capitaine, la vie de l'escam du rythme du cœur. Très récemment, c'est retourné à s'assassiner à base de cœur, décidé de l'assassiner. Tu m'apprends un truc. Les ruines d'Illusque. Dalin, est-ce que t'es chaud pour qu'on se fasse une petite quête annexe? Alors moi je vais te dire ce que je pense, Dalin. Je suis pas ouf enchanté. Je suis pas ouf, hein, pour y aller maintenant. Du coup, je te propose qu'on aille rentre dans cette maison, hein, et qu'on aille faire cette petite quête. Cette petite quête. On est chaud, Dalin. Non, Dalin, faisons comme s'il n'y avait rien. C'est bon, j'en ai plein le cul.